Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Colonisation. La guerre contre les Hollandais a pris fin. Je me retrouve avec une ville de plus. Ils sont coincés dans leur petit bout de terre là. Donc on va être tranquille. Moi je vais me refaire une autre ville ici pour profiter du fer qui est sur cette colline. Et je pense qu'on est pas mal parti. Là, je suis déjà en train d'éduquer deux personnes pour en faire, je pense, des hommes d'État. Là, c'est bon. Cale sèche. Ouais, je suis en train de faire le bâtiment pour les navires. Voilà. Voilà, ma ville s'est encore agrandie. Bientôt, je vais faire disparaître les Indiens, en fait, quand on gagne vraiment beaucoup de zones d'influence comme ça. On peut faire disparaître les Indiens, purement et simplement. Alors, eux, ils ont pas d'argent, je crois pas. Alors, je me rappelle plus des conditions pour que les frontières grandissent comme ça. Je sais même pas si c'est mis quelque part. Je ne sais plus, j'avouerai. Non, c'est pas grave. Il y a des conditions hein, pour que les frontières grandissent, mais là. C'est peut-être marqué. Ah, ça m'embête de pas retrouver. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je retrouverai pas, je pense pas. Donc, je suis en train de répartir toutes mes unités militaires suite à la fin de la guerre. Et là, je manque d'outils, donc pour l'instant, je vais passer. Je vais passer au bâtiment pour améliorer les marteaux. Pour faire plus de production, mais j'arrive pas à le voir. Ou alors peut-être qu'il est déjà fait. Non, c'est ça. Il est déjà fait. Échoppe du chargeron. Du forgeron. J'ai du mal, pardon. Un peu de mal à m'y mettre, là. Je vais faire l'entrepôt pour passer à 300. Et surtout, pour faire en sorte que les ressources en surplus soient automatiquement vendues sans avoir besoin du navire. C'est plutôt pas mal ça. Augmentation augmente la production de croix fonction du taux. Ah, ça c'est bien. Plus le taux d'imposition va être élevé, plus je produirai de croix. Donc ça je prends tout de suite. Ok. On va voir l'impact, mais honnêtement, je pense que ça va très vite augmenter la production de croix. Donc là, je suis venu juste prendre ça au passage. Et je rentre en Europe. Ok. Alors, ces deux-là, ils sont faits pour la nouvelle ville. Le pêcheur et le forgeron, c'est vraiment la base. Donc là, je vais fortifier. Là, je vais créer ma ville. Ah, les Indiens vont pas aimer. C'est pas grave, on va les rendre furieux. Normalement, il y a peu de chances qu'ils nous déclarent la guerre. Ça finira par arriver, mais je suis relativement confiant pour l'instant. Alors, je vais faire le dock. J'ai encore besoin d'eux, hein. J'ai encore plein de colons à éduquer. J'en ai envoyé un là. Ça, c'est les verts clairs, hein. Et les verts foncés, j'en ai envoyé un ici. Faut pas encore que je me fâche avec les Indiens. Alors là, j'ai des outils. Je vais faire l'échoppe du forgeron. Là, je vais mettre vivre parmi les Indiens. Là, j'ai récupéré un
indigène. Du coup, je vais l'envoyer à l'école. Donc ici, c'est bien, c'est que je vais avoir... Ah, je vais bientôt manquer de fer. J'ai un petit stock encore, mais ça va pas durer longtemps, ce stock. C'est bien ennuyeux, ça. Bon, on verra. À la rigueur, je pourrais en faire venir d'ailleurs. Oula, 5% d'un coup. Alors, est-ce que j'aurais besoin de trappeurs professionnels? Est-ce que je vois que là, il y a un fermier, mais là, il y a un trappeur? Ouais, je vais faire un trappeur. Au moins, je leur ferai perdre ce statut. Ça, c'est très mauvais, les engager. Ça va rien faire. J'en serais honoré. Tous les Indiens m'adorent. C'est l'avantage des Français, hein. Alors là, le but, c'était de faire un homme d'État aguerri, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et je vais de ce pas l'envoyer ailleurs. Alors ici. Est-ce que j'utilise le militaire pour travailler? De toute façon, s'il se fait attaquer, si la ville se fait attaquer en traître, il prendra directement dans le stock d'armes et il se battra. Mais ouais, je vais le faire travailler. Il va pas être très efficace, il faut bien le dire. Mais c'est pas grave. Par contre, je vais peut-être arrêter. Je vais d'abord faire un stock de bois. Ici, il me faudrait un bûcheron, il me faudrait un mineur. Ah, elle a déjà fini. C'est exceptionnel cette rapidité. Ça, c'est grâce à ma. Je crois que j'ai un homme d'État qui fait ça. Merde. Il n'y avait pas un truc où les colons apprenaient deux fois plus vite. Ou alors, c'est juste mon leader. C'est peut-être mon leader qui a cette caractéristique. Alors, un stock d'outils, je prends. Ça commence à produire hein, dans mes villes, c'est intéressant. Alors, pêcheur, bûcheron. Du coup, le soldat, il va faire des outils. Alors, cette ville-là, elle est assez pauvre quand même, elle produit pas grand-chose. Je vais prendre le métal. Là, je vais aller à Montréal ramasser tout ce qu'il y a dans les entrepôts. Donc ici, je vais faire le dernier niveau. Chantier naval. Le chantier naval me donne accès au galion de guerre. Et ça, c'est très intéressant. Alors, Giovanni de Veranzano a proposé de rallier votre cause. Une caravelle en plus, je vais prendre. J'ai besoin de navires. Non, non. Lui, je le laisserai pas partir. Passer, pardon. Il est isolé là dans son coin, donc je le laisse là. Hors de question. Hors de question qu'il passe par mes terres. Ah, pour l'instant, je lui fais faire de la bouffe. Il me faudrait vraiment plus de pionniers, en fait, là, je pense. La route est terminée. C'est pas mal. Donc là, j'ai relié Québec à Cayenne. Cayenne à la Guadeloupe. Donc là, je vais faire quelques aménagements. À commencer par le tabac ici. Je vais avoir un peu d'argent. J'ai 3 800 pièces d'or quand même. Faut absolument que j'investisse. Alors, j'ai dit qu'il me fallait. Je me rappelle plus. Donc là, j'ai dit construire un abri. Non. Plus 3 pour le tabac, c'est ça.
Ici, il me faut rien de spécial. Qu'est-ce qu'il me fallait déjà? Ici, il me faudrait un fermier. Un forgeron. Et celui qui travaille pour les outils, je me rappelle plus de son nom. Non, le forgeron, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je le vois pas dans la liste. C'est quoi ce Vince? Le menuisier, pardon. Un forgeron. J'embarque. Je prends ça au passage. Tiens, fabricant d'armes. 750, alors que de base il coûte le même prix, d'accord. Donc je le. Ah, ça commence à me saouler là, j'ai deux éclaireurs qui servent plus à rien. Pas très intéressant d'avoir ça. Alors là, c'est parti, on va faire un peu de sentiment d'indépendance, ça augmente la production. Ah, fermier, c'est parfait. Lui, il va attendre là que la caravelle arrive. Oui, vivre parmi les indigènes. J'en serais honoré. Ah, je suis pas trop. Je trouve pas sa profession exceptionnelle. Il y aurait peut-être des choses plus intéressantes à avoir. Je vais en faire un pêcheur pro. Il est loin, tant pis, il va se balader. Je suis pas pressé. Là, je vais prendre l'Indien, je vais faire travailler. Ah non, je peux pas le faire travailler. L'Indien, il va apprendre. Et lui, il va faire de la nourriture ici pour me mettre à zéro. Alors, je prends le tabac, je prends le minerai. Ok. Il me faudrait plus de navires, je crois. Hein. J'ai du mal à fournir. Le minerai, je vais l'amener à Québec, quand manque. Donc là, je suis en train de développer chantier naval. Je vais aussi le développer ici. Il va m'en falloir au moins 3 des chantiers. Ouais. Ou 4 même, peut-être, si j'ai l'occasion. Ça reste à voir si j'aurai le temps. On est déjà au 142e tour. Mais il faut que je fasse des galions de guerre pour bien faire, il faudrait que j'en ai au moins une douzaine. Non, non. Pas de guerre pour l'instant contre les Indiens. Alors, le coton. Le minerai. Le minerai, c'est pour ici. Alors, ce que je vais faire. Je vais utiliser ma caravane comme prévu. La caravane pour aller chercher mes ressources là-bas. Ici. Ouais, je vais faire une ferme. J'ai pas de colline ici. Ah si, j'ai une colline ici, je pourrais avoir un peu de minerai. Donc ici, j'ai dit que je faisais une ferme pour la nourriture. Guadeloupe, j'ai eu un habitant gratuit. Ça, c'est parfait. Est-ce que j'en ai besoin là? Ouais, y a rien dans cette ville, hein. C'est la dèche. Alors, je sais pas pourquoi lui, il fait pas du bois. Là, je peux accélérer la production. Ok. Parce que sinon, la scierie, là, elle est pas près d'être faite. Donc lui, on va le mettre à l'école. Je produis des outils, c'est bon. Je produis pas beaucoup de bois, il me faudrait plus de maîtres menuisiers. Je crois que je vais tout amener. Je vais tout amener à Québec et je répartirai en fonction de ce que j'ai besoin dans les autres villes. Donc là, je vais prendre des cigares, ça vaut cher. Alors là, je vais faire l'entrepôt. La question ne se pose pas trop. Merde, ils ont recruté. Les Américains ont recruté quelqu'un. Ok,
Ok, c'est parfait. Il faudra aussi que je prenne l'argent de ces quatre. J'ai un sacré stock. Ouais, pour l'instant, je vais rentrer avec ça. Alors ici, je vais faire l'imprimerie. Ouais, l'imprimerie. Donc là, on va inverser les rôles. Lui, il va se mettre là. Et lui, il va se mettre là. Voilà. Là, j'aurai bientôt une super production de nourriture. Ça va me rapporter gros, cette histoire. Donc là, je pense que je vais bientôt finir par détruire les villages indiens. Quand mes villes auront une trop grosse... Ah, ça, c'est parfait. Les missionnaires jésuites. Je prends, c'est Thomas Hooker. Oh, je suis bientôt à court, là. Alors, par contre, je vais pas les mettre dans des villes qui sont prêtes de disparaître, hein. J'allais les mettre dans des villes assez lointaines. Sinon, évidemment, ça sert à rien. Si les villes disparaissent dans 10 tours... Ça m'apportera pas grand-chose. Ok, alors ici. Ici, je prends le forgeron. Lui, je vais le mettre là. Je vais faire des armes. Est-ce que j'en prends deux? Peut-être pas quand même. Si j'en prends deux, c'est pas grave. Fermier, il va voyager. Lui, il va là. Lui, je vais lui enlever son métier, je pense. Et là, je vais transporter énormément de choses vers l'Europe. Pas le métal. Ok, je pense que là, j'en ai pour une petite fortune. C'est parti. Donc lui, je vais lui retirer sa profession. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais faire. Effacer la spécialité. C'est pour faire des chevaux, honnêtement, ou... Si, dans cette ville-là, je pourrais produire des chevaux. À Guadeloupe. Lui, pour l'instant, il reste là. Le fermier, il va pouvoir aller... Je sais pas ce que je peux en faire. J'avais peut-être fait un de trop. Là, j'en ai un là. Là, j'en ai un là, deux là. Je vais le faire aller à Saint-Louis. Merde, Saint-Louis, ils font trop de bois là. Je peux changer la production. Il a fait un sacré stock très vite. Là, c'est bon. Ok, ça m'embête de laisser le soldat inactif là, mais j'ai pas trop le choix. Alors, ici, comme d'habitude, un homme d'État. 1053 pour l'instant, je garde mon argent. L'homme d'État, il va aller dans la ville suivante. Là, j'en ai encore un à former. Ce qui se passe, c'est que je peux pas former les soldats, c'est ça qui est bête. On pouvait dans la première version, la version de 94 ou je sais pas combien, on pouvait former les délinquants en soldats, les délinquants, les Indiens. Mais on peut plus, malheureusement. Je crois qu'il y a moyen de modifier les fichiers du jeu pour autoriser la formation des soldats. Mais bon, du coup, c'est plus tout à fait le jeu original, donc ça m'intéresse qu'à moitié. Alors, j'ai envie de faire une autre ferme. Alors là, je vais déposer le minerai. Et je vais prendre tout ce que je peux. Argent, voilà. Je vais vraiment me faire beaucoup d'argent là sur le coup. Ça va être très intéressant. Alors, je vais continuer. Syrie. Là, je vends tout. 3004. C'est pas mal.
Alors, faut que je réfléchisse. Par exemple, cette ville-là, il y a encore beaucoup de vide. Il me faudrait un mineur, un menuisier, un forgeron. Déjà, de base. Un mineur. Un forgeron. Un menuisier. Voilà, je garde mon argent. J'en ai besoin pour former les gens au fur et à mesure quand ils sortent de l'école. Alors lui, on va le faire aller. On va faire le tour des villes. Là, on va faire une ferme. Et du coup, il me faudra un fermier de plus. Ouais, c'est parti. Il y a peut-être des petites îles à explorer. En tout cas, il y a encore des territoires à découvrir, ce qui me montrera mon score d'exploration. Alors, vivre parmi les indigènes. J'en serai honoré. Donc, le propriétaire de ranch, pour l'instant, on va le mettre au travail, mais je vais lui faire faire du bois. Et il faudra absolument que je construise un ranch. J'ai perdu à Montréal, j'ai perdu. Montréal, je sais plus du coup, j'ai grandi un peu trop vite. Enfin, c'est là. Ah merde, je fais trop de. C'est mon indien là, il en fait trop. Ah non, c'est lui qui en fait trop, donc je vais. Ah mais il y a un problème là. Ça c'est pas optimisé, hein. Lui il devrait être là. J'ai un bûcheron de trop là, je sais pas pourquoi. Ouais, ce bûcheron-là, il a pas vraiment lieu d'être. Est-ce qu'il manquerait pas ailleurs? Un bûcheron, est-ce que j'en ai pas besoin, par exemple, ici? Non, j'en ai déjà un. Là-haut. Ah, là-haut, j'en ai pas. Donc, il va voyager, celui-là. J'ai pas de route pour l'instant, mais c'est en cours de construction. Chantier naval, c'est fait. Donc, il faut aussi que je fasse l'usine sidérurgique. Est-ce que c'est valable? Ouais, je pense. Ouais, c'est parti. Ah, ça, c'est super. Juan Bernoua de Bermudez qui va m'augmenter la vitesse de tous mes navires. Sauf des galions de guerre, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est les trois que j'ai, que j'utilise, donc caravelle, navire marchand et galion. Et ça, c'est quand même super intéressant. J'ai pas assez d'argent, j'en garde. Ok. Bon, bah, les choses avancent bien, très honnêtement. Je vais. Donc là, j'ai dit que j'explorais. Je crois que je vais déposer mon cavalier ici. Et je vais voir s'il n'y a pas une île quelque part. Ok, je vous laisse rapidement, je ne veux pas faire des épisodes trop longs. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.